Zinzenou, région de l'Indénier Guablin, plus de 4000 habitants, un village moderne où les acquis en termes de commodité ont perdu de leur superbe. Ici, les pompes de desserte en eau potable sont hors d'usage et l'accès aux soins de santé est l'un des maux qui trouble le sommeil des populations. Un gros village comme Zinzenou, on n'a pas de maternité, on n'a pas d'hôpital. Quand on est malade, si c'est la nuit, bon, il faut aller à Sankadiokoro. Bon, il n'y a pas de voiture, avec les coupeurs de route, on a peur. À faire de l'hôpital, là, on se débrouille. C'est les médicaments des Ghanéens par terre, on se défend aussi avec. Zinzenou, pour l'heure, doit se contenter de cette clinique de fortune. Mais pour des services de santé fiables, les structures sanitaires de Sankadiokoro et Yakassé-Féyassé sont une aubaine pour les populations, au regard de la qualité de leur accueil et de leurs plateaux techniques respectifs. Pour autant, le problème réside dans leur accessibilité. Il y a un an, il y a une vieille qui était malade. C'était vers 22h. Comme on n'avait pas d'occasion pour l'amener à Sankadiokoro ou à Yakassé, on a décidé d'attendre 6h le matin pour l'amener. Et 6h, à 5h30, la vieille est décédée. Nous avons bénéficié d'un projet PNGTR. Nous avons pu apporter la caution sur notre apport personnel. Et le projet même avait démarré. Il y a eu la crise. Nos entrepreneurs nous ont abandonnés. Parce que jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de ces entrepreneurs. Voilà où en est aujourd'hui le projet de construction de la structure sanitaire de Zinzenou, lancé depuis l'année 2008. Un bâtiment inachevé, mais couvert pour être le logement de l'infirmier et un autre inachevé aussi, tenant lieu de dispensaire. Les deux bâtiments abandonnés sur un site devenu champ de manioc. Dans l'euphorie du projet, avant terme, une bonne partie du mobilier et de l'équipement médical a été déjà réceptionnée et soigneusement conservée. Mais jusqu'à quand, pour ne pas que tout ce matériel soit périmé? La mutuelle a essayé par tous les moyens de sensibiliser la population pour dire que, bon, mais écoutez, notre hôpital est aujourd'hui abandonné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il n'y a pas eu de réponse. Quand vous êtes dans un village et qu'il y a des cotisations, il y a beaucoup de personnes qui fuient. Mais néanmoins, nous ne baissons pas les bras. Aujourd'hui, tout Zinzenou a le regard tourné vers le conseil régional de Ndéguablé, sollicité de toutes parts. On peut s'étonner que ce village, qui regorge de hauts cadres et de riches planteurs de cacao de Veya, et tous membres de la mutuelle du village, se montrent jusque-là apathiques sur la question.